Salut tout le monde, on est le jour 55, on est parti pour la 105, partie 3, allez, on attaque direct. J'espère que le ventilo n'est pas trop pénible dans le dans l'audio. Écoutez ce qu'on a fait hier déjà. Première chose, je remarque que la basse elle est pas super présente, c'est un peu embêtant. Donc, on va écouter ce que ça donne. C'est normal. Là elle est pas assez percussive en fait. Peut-être essayer de la doubler avec une basse avec Easy Bass par exemple. Alors on prend tout ça, on va dupliquer, on va tester avec Easy Bass. Déjà pour commencer. Qu'est-ce qu'il fait Easy Bass déjà? Une track. Je trouve pas tone track, c'est pas normal ça. Pas normal du tout. Mmh.
Comment ça se fait ça? Alors, attendez, je vais vérifier quelque chose. Est-ce que Toontrack est bien... Enfin, EasyBase est bien présent. Il a disparu, super. Ça, c'est very nice. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je sais pas, écoute, on va utiliser Omnisphere à la place, hein, tant pis. En attendant que je résolve le problème hors ligne. Un souci, ça me plaît pas. Bon bah là on y fait un, c'est parti. Qu'est-ce que ça donne? Oula. Ça va faire changer la hauteur tonale. Hein. Ouais. Alors on va pas se casser la tête. Hop. Allez. Oui. On envoie ça à l'octave. Comment c'est ? Ah ouais, c'est super bas en fait. De latence là, c'est bizarre. Forcément je l'ai décalé. C'est intéressant ça, les 200 de basse matchent bien. Bah, c'est quoi, j'ai peut-être resté là-dessus en fait. Faire déjà hier.
écoutez, pour voir. Si je vais prendre. Alors écoutez pour ça, comme ça, ouais. Bon. Alors juste à partir de là, par contre. Alors non, je vais même rien mettre du tout en fait. Ouais, ça, il le faut. Ça, faut le mute en fait. Ça aura plus d'impact sur les couplets. On y arrive là. Alors, attendez, je vais le faire le charlet parce que c'est en train de me saouler. À la main, c'est un peu relou. Oups. Allez, c'est parti. Ouais,
juste ça. Pareil pour les kicks, on va essayer de faire un truc cohérent. Voilà, là on a toutes les pêches qui sont marquées. Et ensuite on va juste remplir avec ce qui manque. Bien. Après, on va enchaîner sur un cheval, ça va être nice. Voilà, nice. Ça, c'est pas mal là. On écoute toi, depuis le début. Ah oui, là je sais. Ouais, vous voyez l'idée. Voilà. Ouais, ah, c'est nice. Voilà, là, je pense que c'est pas mal. Ok, on est bon là. Ouais. Ouais.
Ah là là. Là, on est pas mal, ouais. Alors, on est pas trop mal. Peut-être que c'est bon, je vais poser le chat. Ça viole un peu les oreilles, ça, par contre. Hein. Donc, on va dire que jusque-là, on est pas mal, ouais. On va changer les sons de batterie, hein, les samples de batterie. Je me pose plusieurs questions en fait. Je sais pas. Je sais pas trop ce que je vais faire. Ça c'est sûr, c'est bon là pour l'instant en termes de style et tout, c'est cool. Écoutez, je vais réécouter du début pour voir ce que je fais. Pour prendre une décision. Ah, je sais, je commence à avoir des idées là. Je vais faire le pont avec piano électrique. Voilà. Tire un peu sur du funk aussi, on va voir. Tout en restant dans le délire rétro wave. Bien entendu. Je vais faire ça. Faire ça aussi. Ça peut être pas mal, ouais. Donc on va prendre le MKS-80 que j'utilisais hier avant de déco. Qui sonne bien, qui chose. Sonne comme ça si je le retrouve. Voilà, c'est ultra kitschos en fait. Dans l'esprit, ça serait ce son là, ouais. C'est ce son clavier que je recherche. Je vais utiliser là. Du coup, je ne l'ai pas copié sur la bonne piste. Mettre ça là. Il faut que je l'envoie. Je renvoie deux octaves au-dessus. Non, plus 24, puisque c'est exprimé en demi-ton. On va tester cette progression. Allez, c'est parti. On va rajouter l'omnisphère.
Donc normalement il est dans la hardware library. Si je n'abuse. Switch direct. Why? Ma rip les oreilles là. Peut-être que je confonds en fait avec je suis en train de me dire. Attendez, je regarde sur internet vite fait, parce que j'ai un gros doute au final là. Je crois que c'est pas le MKS80. Attends, si c'est ça, je crois. Alors, déjà c'est qui le fait? Mais c'est fou en fait, j'arrive plus le retrouver. Non, en fait, je crois que je dis n'importe quoi, c'est dans Keyscape. Clavinette, Céleste, Rhodes, Duo. Ouais, ça doit être par là, ouais, dans Keyscape, ouais. Ah, bah oui, mais MKS20, ouais. 80. Ah voilà, c'est bien ce que je me disais. J'étais pas tout à fait loin, mais voilà, c'est le 20. Ça aussi, ça fonctionne bien, c'est le même esprit. Et vous allez voir, après je vais le doubler avec un vrai piano électrique pour le coup. Allez, on va envoyer ça à l'octave. Pour matcher la bonne tessiture. Voilà. Et je vais même faire ça, vous allez voir. Voilà. Voilà, on récupère la basse. Contre les têtes un peu trop haute. Je pense qu'il va falloir retravailler les voicings, ouais.
Il est là, hein, pour ceux qui l'avaient pas. Qui ne l'avaient pas vu. Rajouter la compression dessus parce que ça me paraît un peu light. Enfin light, c'est pas light, mais en même temps le dynamique c'est un beaucoup trop wide en fait. Je vais peut-être le corriger. Où est-ce que je peux le faire ça? Ouais, c'est un peu too much le delay. Hein. Alors, on va faire ça. Donc là, je vais marquer MKS20. Hop, je vais dupliquer, je vais mettre un clavier électrique en dessous pour voir. Et après, on peaufinera la partie. Allez, qu'est-ce qu'on va choisir? Et de suite on rajoute de l'attaque avec ça et ça donne de la texture. On a un piano qui devient un peu en 3D en fait, je sais pas comment expliquer. C'est assez intéressant. C'est une des applications qu'on peut faire une des applications du ce qu'on appelle le layering. Le layer en anglais ça veut dire couche, donc on rajoute des couches en fait. Pour un seul instrument, on rajoute on met une couche en fait avec un certain son et une autre couche avec une autre. Et du coup ça donne ça permet de créer des nouvelles textures en fait. Le concept du layering qui peut s'appliquer à n'importe quel instrument. Ça se fait notamment à la batterie pour dans la musique, tous les types de musique, en particulier la musique électronique, mais c'est vrai que ça s'applique un peu à tout, même dans le rock ça se fait. Pour alourdir une caisse claire, rajouter du bas, vous allez prendre deux caisses claires, une caisse claire qui a plus d'attaque en fait, avec beaucoup de médiums et des aigus, et une caisse claire qui a un peu plus de bas. Après vous travaillez un peu l'EQ sur chaque layer, sur chaque couche, et ça vous fera une seule grosse caisse claire bien fat quoi. Voilà, ça c'est l'idée. Ah, pour le coup Keyscape c'est vraiment monstrueux hein. Tellement de choix d'ailleurs que c'est super vite. Je pense qu'on va aller à l'essentiel de toute façon. Ah, ça rejoint un peu ce que je voulais ça.
vérifie si le chat fait pas de conneries en même temps. Donc... Avec qui me bouffe les câbles. Ça sera un peu embêtant. Virer la basse, ça va nous fatiguer l'oreille pour rien. C'est intéressant. Après, il y a une grosse compression dessus là. Je sais pas, faut pas influer dessus. Si. Même ça, ça fonctionne bien parce qu'il y a de la modulation en fait, ça fait ça aussi, donc du coup ça crée de la, ça grossit le son. Dès qu'il y a de la modulation, de toute façon ça va donner cet effet de grosseur, grosseur du son. Quand je, par modulation j'entends tous les effets de modulation, enfin en particulier le chorus, le flanger, enfin tout ce qui va détuner, enfin désaccorder un tout petit peu le, de quelques centièmes le son original. Ça va le dédoubler, ça dédouble un petit peu la forme d'onde et ça, c'est ça qui donne cette impression de gros son en fait. Ce que je cherche là, on continue. Ouais, ça donne une stage vibe, c'est pas top. Ouais, ouais, ouais. Bon, on a déjà ça qui est pas mal. Dans l'idée. Voilà. On va essayer quelque chose. C'est plus cette hauteur. Faibleur en fait. Ah mais c'est peut-être pour ça que j'ai pas un son de fou. Là. Ah ouais ouais. Effectivement. Après je le, l'articulation je la travaillerai plus tard. Il y a pas mal de subtilités à faire. C'est pas le, l'objet de ce live là. Je le ferai probablement offline pour gagner du temps.
Écoutez sans et avec déjà. Écoutez la différence. Ça, il n'y est pas là. Maintenant avec. C'est subtil, mais ça enrichit le son. En fait. Voilà, c'est un peu plus flagrant. Peut-être en tester un autre. Celui-là est mieux, je pense. Il attaque plus dans les deux, entre le droit et le 2, 3, 4. Dans les aigus, je voulais dire. Ça peut être pas mal ça pour de l'ambiance en fait. On peut faire une layer en plus pour l'ambiance. En guise de reverb. Pour habiller un peu. Ça, c'est la version mono. Ça en a également. C'était comme ça. Non, c'est pas ça qu'il nous faut. Enfin, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Là, c'est typiquement un morceau sur lequel on va s'amuser, donc j'hésite pas à aller chercher dans des sons un peu barrés, un peu sound design, musique des films, tout ça. Surtout pour faire du layering, c'est super intéressant. Ouais, pour le coup, ça c'est pas trop. Ah, pour le coup, cette attaque elle matche mieux que l'autre, je trouve. En plus, elle est déjà bien filtrée. Alors, il y a le classique Shiny. On avait utilisé quoi? Le Saucer Bell Wash. Je m'excuse, là je l'avais sur l'autre fenêtre, du coup c'était peut-être pas évident pour vous. Au final, je vais peut-être utiliser celui-là. Là. Non, je sais plus ce que c'est. C'était le Shiny, non? Ouais. Voilà, ça matche bien l'esprit en fait. Très bon ça.
Classico, Vintage Vibe. Ah, j'aime beaucoup ce que ça apporte comme grain de Vintage Vibe, sachant que je vais peut-être, je sais pas si je garde l'autre, enfin, ouais, je vais, l'autre je le garde c'est sûr, mais est-ce que je rajoute ça? Non, je vais pas l'utiliser, c'est pas mal, je vais l'utiliser pour autre chose, peut-être plus tard. Dans le morceau, probablement, mais. Ah bon. C'est non plus. Ah oui. Ah oui, ça j'avais oublié, mais. Très intéressant aussi. Pas mal, mais c'est pas, ça va pas. Ouais, bah je pense qu'on va partir là-dessus, ouais. Sur le, je sais plus comment il s'appelle. Nice. Très cool ça. Ouais, je pense qu'on va partir sur ce que j'ai dit. Bah d'ailleurs, vous voyez, ils ont fait déjà fait l'association. Dans les duos. On va tester le LA piano rapidement. Ah, merde. Ouais, allez, c'est parti, on va mettre ça, on passe à autre chose. Là, c'est traîné. J'ai dit c'était le Shine. Ouais. Voilà.
remettre la bonne tessiture. C'est vraiment ça que j'avais pris? Non. Ouais, c'est le wash en fait. Je crois. Je sais plus trop là. Si c'était ça, c'est ça. Mais alors, on va réessayer le shine. Ouais, ça. Le mix des deux, ça on dirait qu'on a essayé de créer un son à partir de la synthèse FM. Ça, c'est intéressant. On va essayer un truc là. Encore. Non, je vais créer un autre son là, un autre son de basse pour cette section. Allez, c'est parti, on va chercher un son. J'ai bien envie de tester l'Orp Odyssey là, qu'on a installé hier. Ah là là, fatigue ce truc. Allez, hop. Thank you.
Ça, j'ai peut-être utilisé pour les couper par contre, la 30. Peut-être l'utiliser en leader en fait. C'est ça que j'avais kiffé là ou pas? Je sais pas. Non. Thank you.
Revenons sur une basse. Là, je vais refaire une. Je ferai une ligne mélodique en lead en plus. Ce serait peut-être mieux que je la fasse au chant en fait. Ouais, ce serait plus simple. En fait, je vais faire ça. Je vais garder celui que je m'avais plus pour les. Voilà, pour les couplets. Et pour ce faire. C'est très simple, on va faire ça. Voilà. On va le mettre ici. Mettre un plug de mastering parce que j'ai un peu du mal à être objectif sur le sur les volumes là. On va tester avec ça. Là, ça me paraît pas mal. Ici. Putain, faut que j'arrête d'appuyer sur contrôle, je me crois. Je me crois sur Windows, là, c'est pas possible. Alors, ouais. Ça, on va mute. Ctrl M, effectivement. Ça, c'est pareil. On va démute. Ouais, même là, je pense que le. Ouais, ça, je vais l'envoyer ici. Ça devrait pas y être. Oui, il est là. Ouais, là, c'est cool. On a la vibe qui, que je cherche à. Là, l'idée, ce que je vous montre aujourd'hui, en fait, c'est de, avec un arrangement très basique, comment on peut arriver à faire rendre le morceau intéressant, c'est-à-dire en jouant beaucoup sur le changement de timbre, de preset, de patch, de clavier et d'instrument. Vous allez voir, une fois qu'on va écouter à la fin, ça va être très dynamique. Ça tape pas quand même. Alors, je vais virer mon plug de mastering. Tant de faire mon EQ ici. Enfin, mon réglage des volumes. We'll be right back.
Non, on peut, juste pour dynamiser, on peut s'amuser à le mettre que sur les refrains, cette ligne de basse là. Non, ça marche pas. C'est comme ça. Faudra impérativement faire du sidechain en fait là-dessus. Je commence à y voir plus clair, c'est-à-dire que là, alors cette basse-là, on va la garder que sur les couplets, je pense. Attends, on va essayer sur la deuxième partie du... sur les refrains, pardon. Je vais juste essayer sur la deuxième partie des couplets pour voir. On va mettre que sur le refrain. Du début. Comme ça. Ok, voilà, ça commence à venir, vous allez voir, regardez. Hop, ça, on va scinder ici. Ici également. Voilà, deux types de basses distincts. Une basse pour les couplets, une basse pour les refrains. Enfin, un type de basse par section.
J'ai encore un D6 sur cette partie. Je le suis plus, c'est bon. Ok. Donc on va garder ça. Le Bass Inspector Gadget, là, comme je l'imagine. Elle va rester là, ça fait délirer long. Je donne des noms bizarres, mais c'est ce que ça évoque. Hein, voilà. Ça va virer. Non, on va pas virer, on va transposer ici. Ça vire. Et je pense que là, on a une structure qui commence à avoir un peu de la gueule. Ça ressemble un petit peu à quelque chose. Des très petits gaps là qui sont assez pénibles en fait. Si on zoom, vous allez les remarquer, je pense. Même pas, c'est bizarre. Ça, ça s'arrête. Voilà, ça commence à être sympa. Écoutez, on va se réécouter tout depuis le début, je vais déco. Et demain matin, je ferai du stream là. C'était pas prévu, mais je le ferai. Allez, on va réécouter ça. Est-ce qu'au niveau du mix, on est bon là? Ouais. Plus tard. Enfin, on essaie juste d'avoir la vibe du morceau.
Nice. Ça, c'est peut-être trop aigu. Ouais, ça va rester là. Piano, c'est pas la clavinette, mais... Ouais, je vais modifier cette section, je garderai que les derniers accords et je vais faire une modif sur la progression. C'est juste histoire d'avoir un espèce de pont rapide là, pour illustrer. Je vais juste inverser ça et on va déco. Alors on se fait l'écoute depuis le début. Alors je joue juste ça d'abord. Ouais, c'est mieux là. Allez, on s'écoute depuis le début, je déco. Allez, pour 2 minutes. Ouais, bah écoutez, c'est pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Voilà. Voilà. On en est là pour l'instant. Demain, je me reco. J'essaie de faire un stream de 9h à midi, si j'y arrive. Sinon, ce sera 10h à midi. Voilà. Je vous tiens au jus sur le planning Twitch. Je vous laisse regarder, vérifier. Pour l'horaire et pour confirmation sur la page Facebook également. Donc la page Facebook, je vous redonne le lien pour suivre toute l'actu. Ça se passe ici.
Et si vous voulez voir encore un stream en direct, un des précédents streams, il y a une première qui est en train de tourner sur YouTube. Et c'est celle-ci, et je vous conseille de vous abonner car le nouveau contenu arrive très vite. Contenu pédagogique, voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu. On se voit demain matin de 9h à midi ou de 10h à midi. Je vous tiens au jeu. Merci à vous. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et puis voilà, salut.